Olivier Bocco, ce n'est pas un inconnu qui vient du ciel, mais c'est une étoile que la nature a bâtie, a construite, parce que certainement, il était destiné à relever des défis dans notre pays. C'est vrai que c'est avec le président Talon qu'ils ont ensemble élaboré le projet de société qui est devenu aujourd'hui le programme d'action du gouvernement. Mais c'est vrai qu'on peut naître jumeaux et avoir des caractères différents. Ceux qui pensent que Olivier Bocco égale trait pour trait, ligne pour ligne, destin pour destin, Patrice Guillaume-Athanase Talon se trompe. On peut être jumeaux et ne pas avoir les mêmes caractères. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est que c'est ensemble qu'ils ont réfléchi sur l'avenir de ce pays. C'est ensemble qu'ils sont en train de bâtir cette nation. Mais il y a un petit plus que Bocco va rajouter à tout ce qui est positif. Le hautement social. Désormais, votre pauvreté est finie. Soyez sûrs que désormais, il aura plus donc d'attention à vos problèmes. Peuple de Ndali, Olivier Bocco est de Soklobo. Son père est de Soklobo. Sa mère est de Porto Novo. Vous comprenez qu'il est différent des clivages. Vous comprenez que c'est le fils du terroir. Vous comprenez qu'il est au centre de gravité du Bénin de notre nation. Par rapport à cela, soyez rassurés que votre problème, c'est son problème à lui. Et ce que nous sommes en train de dire, à travers déjà la bénédiction de Sa Majesté le roi de la localité, le soleil a déjà béni. La terre a déjà béni. Le vent qui souffle a déjà béni. Que Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, que l'Esprit Saint, que Mohammed, le porte-parole de Dieu, l'enfant béni de Dieu, le prophète de l'histoire, que les mânes de nos ancêtres bénissent notre souhait, votre souhait, Olivier Bocco, pour sauver le peuple béninois de la pauvreté. Je vous remercie.